La pleine conscience, c'est pas méditer 12 heures par jour puis léviter en bobette dans ton salon. C'est plutôt te concentrer sur ce que t'es en train de vivre dans l'instant présent, tout simplement. Tu sais, quand t'essayes de t'endormir, mais que t'arrêtes pas de repasser en boucle la fois où t'as texté par erreur des emojis inappropriés à ta prof de français, ben, t'es pas vraiment dans le moment présent. Savais-tu que les gens passent près de la moitié de leur temps à penser à autre chose qu'au moment présent? D'un côté, c'est positif parce que ça peut aider à apprendre de nos erreurs passées, à faire des plans pour l'avenir, à être créatif. Mais ça peut aussi devenir un obstacle. Trop ruminer le passé, ça peut t'amener vers la dépression. Et trop anticiper l'avenir, ça peut créer de l'anxiété. C'est pour ça qu'il faut chercher une sorte d'équilibre. T'as déjà eu l'impression d'être incapable d'écouter attentivement ton ami pendant plus que 5 secondes? D'avoir la concentration d'un bébé chien? Les réflexes d'un manchot? Ou juste de pas te sentir dans ton assiette? Ben, c'est dans ce genre de situation-là que la pleine conscience peut t'aider. Ça permet d'éloigner l'anxiété et la dépression, puis de réduire ton niveau de stress. T'as l'impression que c'est une affaire de hippie? Pense à une activité que t'aimes vraiment. Ben, il y a des bonnes chances que tu sois déjà en pleine conscience quand tu la pratiques. La pleine conscience, tu peux la pratiquer partout, tout le temps. Inspire. Expire. Inspire. Bon, tu savais sûrement déjà que te concentrer sur ta respiration, ça aide à revenir au moment présent et à réussir un 3 points. En plus du sport, tu peux aussi manger en pleine conscience. Quand tu savoures ton repas sans jugement, en restant à l'écoute des sensations que ça te procure, on dirait que c'est encore meilleur. Et avec ton entourage, quand tu réalises que t'es perdu dans tes pensées, essaye de revenir dans l'instant présent pour écouter en pleine conscience. Après tout, les bonnes relations, ça se bâtit dans le présent. Tu peux maintenant profiter de tes journées, un moment à la fois. Bon, bienvenue dans le présent.